Et bonjour à tous les amis, c'est Dolly Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence de le sixième épisode de Borderlands, je fais une dédicace à Raphaël Deneau. Allez voir sa chaîne YouTube, elle sera dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, c'est très important. J'ai vu que tu as un scooter et que tu joues à Fortnite. C'est un bon jeu. Bonne chance à toi pour l'exploration sur YouTube, mon cher Zachary Deneau. Et let's go, lâche-toi loose, puis fais-toi plaisir et prends du contenu sur ta chaîne YouTube. On n'entend plus ça. Les gens, ils ont hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire sur ta chaîne YouTube en 2020. Sur ce, bonne vidéo à tous pour le sixième épisode de Borderlands. Bonjour à tous les amis, c'est Nelly Gaming. Après un petit certain temps, j'ai décidé de recommencer encore une fois de plus Borderlands. Je me souviens pas exactement à peu près où ce que j'étais. Je vais spawn dans un endroit où que j'étais rendu. J'avais déjà fait le cinquième épisode. Maintenant, nous sommes rendus à la sixième épisode. En tout cas, bienvenue pour tous ceux qui sont là. Et merci pour les commentaires, puis pour 2020, parce que j'ai pas eu tant de réponses. Puis vous avez regardé 1 minute 42. Visionnement de cette vidéo. Je pensais que vous allez regarder plus longtemps que ça. Mais en tout cas, j'espère que cette nouvelle année va partir en neuf. Fait qu'aujourd'hui, nous sommes avec le Flingueur. Après un certain Oui. temps, le Flingueur est là avec nous pour jouer à Borderlands. On Ouais. va avancer au niveau du Borderlands. Bon, on va avancer le jeu sur Borderlands. Fait Ouais, que. parce que en fait, je vais aider Noli parce que moi, je fais aussi une série sur ma chaîne, mais je suis un peu plus avancé que Noli. Ça fait que ça va l'aider à dans le jeu à s'avancer en gros. Ça va être une longue introduction, mais c'est pas grave. Fait qu'on va commencer ça. C'est parti. Ouais, J'ai moi activé je. mon pouvoir. Juste là. Comment je fais pour avoir Ok. accès à ma carte? Ah. Faut que tu fasses pavé tactile. Bon, je l'ai compris tout de suite. Nous avons un point jaune là. Puis. J'ai plusieurs choses que j'ai comme pas faites, mais que je comprends pas, puis j'étais bloqué dans un certain passage, mais je me souviens pas exactement. En fait, l'endroit où Foulette y aller, je pense, c'est ici, en fait, là où le petit carré. Où le petit coré? Ici. Le. Voyons. Je sais pas si je peux mettre un repère, là. Mais t'es où? Tu me tires. Tu Non, parles? c'est. Ben, le petit losange, là. Aïe. Le petit losange, là, tu. Out, parce qu'on se fait tisser Aïe. canarder par un trou de cœur! Hey, tu vas crever, pédé! T'as pas d'affaire, carrément, mon ami! Veux-tu Salopard! seulement une arme que j'ai débloquée? Dégage, connard! Bon. Ça là, je vais te Forcé à montrer, ça revenir c'est dans le là! DLC là, tu vois l'arme? C'est une arme Où actif? explosée. Est-ce que c'est-tu. Est-ce que c'est Non, actif, non, actif? non, c'est parce que en fait, les. Parce que. Rétroactif! Ouais, ben ça abandonne. Ah oui, c'est vrai, ça Bon, prend. moins de placotage, puis on s'y rend. On va s'y rendre au Ouais, point. Fait mais faut. qu'après un certain temps, j'avais pas publié de vidéo. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse réellement à toutes les personnes qui me regardent en ce moment. J'aimerais ça pouvoir améliorer mes contenus, mais c'est parce que la plupart des gens ne partagent pas assez mes vidéos, ne partagent pas ma chaîne YouTube, ne regardent jamais mes vidéos au complète. Et j'essaie de réduire les vidéos comme que je peux. Et mon monteur de vidéo est le Flingueur. Le Flingueur fait son mieux, lui et tout. Mais c'est pas facile pour moi, puis autant pour lui. Je me demanderais de faire au moins des petits efforts de votre part. Au moins de partager la chaîne, puis de laisser au moins un petit pouce bleu. Quand même, je vous demande rien d'autre que ça. C'est juste pour être au moins gentil envers nous, puis comprenez. Là. Même si je sais que je suis sous le BS et je travaille quand même dans la vie. Là. Moi, j'ai pas juste ça à faire des vidéos, là. Tout le monde a une job, tout le monde travaille. Là. Faut comprendre ça, les gens. Bon, c'est ça mon message pour être plus clair pour au niveau des vidéos et tout ça. Je me suis mis un point exactement genre ici. Fait que pour se rendre là, faut que je descende en bas. Oh, moi, il me parle tout le temps. Ouais, D'habitude, c'est. le rise and grind est désert, mais il doit bien rester un gros Hop, combat on tout va ça. descendre par ici. Ils sont, C'est disons, d'habitude. passablement relous, mais le café en vaut la peine. C'est d'habitude, c'est Diablo qui conduit. Je vois ça. Non, mais surtout avec la.
La Girovu. Ouais, t'es. Attends, veux-tu le dire? Bon, il faut qu'on descende par là, je pense bien. Bon, des balles. Je suis ce boss où que dans la fois dans l'épisode 5, j'avais pas réussi à le tuer parce qu'il est vraiment archi tough à tuer. C'était idéal le tuer. D'accord. Voilà, il est mort. On va le finir. Et voilà, le boss il a été tué. Ben, c'est beaucoup aidé aussi. Ouais, mais parce qu'avec tes jambes, pas ça, on t'aurait bien bien aussi. Par contre, les bibites, lâchez-moi là. Les bibites de merde. En gros, je pense que dans l'histoire, c'est des genres de rogues. Des rogues. Ouais. Fait qu'en fait, j'ai une arme qui est explosée. Ah oui. Non. Bon, c'est pas grave. Mais pour vrai, ça dépend du niveau, parce que je sais que les armes qui ont plus de valeur, c'est le légendaire puis le violet. Wow. Ok. Mais lui, il se fait agresser. Parle-en pas, toi, tu te fais même pas agresser pas tout, c'est grave. Bah oui, il me fait agresser, mais c'est juste que les ennemis font moins de dégâts. Ça veut dire qu'on a réussi le défi? Ouais, bah ça c'est juste un petit boss. Mais c'est pas vraiment un gros boss, c'est plus les boss secondaires, on va dire. Mais. Bon, s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la sonnette là-dedans, vous pourrez nous dire dans les commentaires, ça pourrait être bien de nous dire où est la petite sonnette, parce qu'on la trouve pas, la créolise de sonnette de cul. Non, je sais pas. Je comprends. On me focalise plus sur le principal, non, c'est si je pense pas que ça soit par là. Non. Sur la face que dans Borderlands, ce que tu vois dans. Borderlands, tu vois dans une direction, mais des fois, c'est pas la bonne. Et voilà. D'accord. Je vais prendre un archérien super noir. Bah, c'est ça l'affaire. Tu peux peut-être pas tuer la bonne taille. Je peux pas faire de café sans électricité. Évidemment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, il y a un gros costaud de Maliwan tout près qui se fait appeler Protecteur. Donc clairement un connard. Il a un cœur énergétique intégré dans sa combi. Ça devrait nous permettre de repartir. Ça existe, les cœurs énergétiques qui pètent pas? Non, pas sûr. Aucune idée. C'est marrant, à l'époque j'étais du genre à dire je bute le premier qui m'adresse la parole avant que j'ai bu mon café. Ah. Et là, ça risque vraiment d'arriver. Enfin, je sais pas, mais je trouve ça marrant, moi. Moi, je trouve ça marrant. Attention, on descend. C'est un diablo, on va buter Nelly, on va débuter du monde. Yes sir, je bute. Ça va, le mec il se téléporte. Par contre j'ai plus de munitions, ça va plutôt mal. Ouah bah là faut que je le tue. Bien, tu pourras t'aider, mais j'ai comme plus de munitions. Ouais, pas grave, elle tue. Si je meurs pas du jeu. Mais. On va économiser notre chat. Crève, salaud. Aïe. D'accord, d'accord, d'accord. Aïe, Noli est mort. Aïe, 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 connard.
Ah oui. T'as vu avec l'arme cheatée que j'ai. C'est une arme explosive. D'accord. Ça fait que quand tu tires ses ennemis, ça les explose. Ou ça fait des explosions en fait. Oui oui, je vais me grouiller là. Écoute, je regrette, mais je suis la seule à pouvoir protéger ces sujets. Aïe. Flagger, j'arrive. D'accord. J'ai coupé une balle. Ok, je sors d'ici moi. D'accord. Il est pas mort, tu veux? Et puis bon, vivant ou non, essaie de me rapporter les plans du pirateur de Nog sur lequel il travaillait. C'est bon. Vachement plus simple si on pouvait forcer ces horreurs à se battre pour nous. Merde. On va aller là-bas. Oui. Ok, vous. Et vous parlez à lui en fait. Ouais, c'est ça, je me disais. Oh, y'a le. Oui, où tu parles? Et voilà, le courant est revenu. On peut l'avoir ce qu'a fait maintenant le robot? Hein? Oh, je sais, il y a un commandant de Maliwan qui se promène jamais sans son gobelet de voyage. Essaie de le retrouver, tu veux? Non, pourquoi pas? Le putain de jus de chaussette marronasse de Maliwan, c'est pas du tout. C'est un crime de guerre en soi. Oh oui, je vous rapporte ça, madame. Là. Je dois aller où? On vous rapporte un gobelet. Moi j'ai perdu mon véhicule. Non, c'est ici. Ouais. À côté. Ah, ok. T'as qu'à abattre 2-3 sous-fifres, ça fera sortir le commandant. Ah, mais non, j'ai plus de munitions. D'accord. On va les abattre. Ah, de la démontation. Moi aussi. Allez, ah oui. Ah là là là. Il est où? Ok, il est là. Encore des ennemis. Là, tu vas prendre mon boulet de canon. Tu Navi, c'est un lance-roquette. Quoi. Ouais, tu ne bourras pas tranquille ton café. Tu ne bourras pas le bois. Tout simplement. Ouais. Je sais pas si Nelly a besoin d'aide. Ouais, parce que pour être tout en frein, j'ai presque plus de balles. Voilà. J'ai juste déjà plus de balles. Ouais, moi aussi, tiens, t'es pas. Aïe. Hop là, hop là. Aïe, c'est mal. Ouais.
prendre la grosse boîte. Oh, j'ai une arme du démon, attention. Ramasse-le, Nelly. Ok, on a le gobelet, on va se sauver enfin. On va suivre Nelly. C'est moi, le commandant café maintenant. Le commandant café, ok. Il a brûlé mon véhicule, mais pas grave, on joue ça coup. Parce que le commandant café, c'est Bibi. Bibi, tu m'entends? Ouais. Et voilà. Aïe. Moi, mon véhicule, j'ai pogné. Yeah. Vite, le mecha. Bonne j'ai mon mecha. Ouais, j'ai vu. J'ai pas de mecha, moi. Non, parce que c'est chaque personnage a un pouvoir différent. Ouais, mais mon pouvoir, je peux pas l'activer. Ouais, je sais. Peut-être tout le monde est mort. Ah non. Ouais. Ah, je vais juste prendre un café. J'ai soif. Un café, tabarnak. Boulot, là. Je vais t'en faire, moi. Je vais t'en péter une. Merci. Bah oui. Laisse le robot faire son travail. Ça vaut tellement, tellement le coup. Oh le robot qui veut du café. Les cafés, c'est tellement bon. Ce café. Un gros. Ok. Un gros, là, tu sais, les voix des personnages, là. T'es doublé en France. Oh mon dieu. C'est des Français qui fait les. Les voix des personnages. Ouais, je vois, je vois. Non, oui, mon véhicule, je l'ai pété. Bah, le mien, il est. Ouais, mais sauf le tien, il y a juste une place. Bon, je vais essayer de me trouver une et deux pièces, je reviens. Non, moi, j'y vais à pied. C'est parti, on s'en va pour des eaux café. Je me suis un peu perdu en cours de route, mais c'est pas grave. Hey Nelly, il m'a poussé, ça. Ah oui, c'est vrai. Il trouve, c'est plus c'est. Ah, tabarnak, c'est pas ici. Non, je pense que c'était le. Jusqu'à temps qu'on soit arrivé, on vous repasse ces petits moments-là. Bien. Il faudrait vraiment qu'on en retourne pour aller en racheter. Non, non. Pas vraiment. Ok, d'accord. Ah, vous le détruire. Mais ça. Alors, faut les tuer. Alors, faut juste les tuer. Aïe. Crevez tous, bande de connards. Mais reviens là, toi! Aïe! Et voilà! Voilà, tout le monde qui sont. Tiens-toi! Tiens-toi, salaud! Faut que je recharge! Et boum, bitch!
Vraiment. Bah ouais. Non, il y a d'autres ennemis? Ils sont tous morts. Ah bah le tabarnak, c'est une blague. Bah non, c'est une blague. Et encore. Encore. Je vais tuer. Tuer, c'est la vie. Allez, crevez. Hey, reviens toi. J'ai dit que t'allais mourir. Ouais, tu vas mourir à soi, tu vas pas mourir demain. Ok? Non, c'est moi qui l'ai eu. T'es toi. T'es toi. Pour de vrai, tu l'as eu? Ouais, donne pas, tu l'as, si. Oh ouais, tu. Non, parce que moi, mon arme explosée, elle fait mal, pareil. Je dois te montrer un exemple. Enfin, on a réussi, pareil. On les a tous tués. Oh, ouais. Enfin. T'es où, toi? Ah, on a mérité une bonne pause. Ah. Avec une pause café ouais, avec ouais, ça? Vas-y, parle. Oh oui, on va prendre une bonne coupe de café ensemble. Oh, voilà. Oui. Je sais que ça peut paraître dérisoire, mais juste une petite gorgée de notre monde perdu, ça nous aide à avancer, tu vois. Là, on vient d'atteindre le niveau 12. Histoire, ah, bah, ouais. Bah, pour ceux qui veulent savoir, moi je suis niveau 29, mais en fait, j'ai beaucoup joué et. Voilà. Ok, j'ai activé des nouveaux pouvoirs, j'ai ajouté des nouveaux pouvoirs, ça va être fucking nice. Mais je me souviens du nom de personnage, mais c'est parce que je me mélange en mes mots en tout cas. C'est pas trop d'important, c'est important si tu abusais ma calice. Ah ouais, on va jouer ensemble, Musty, on va jouer, on va peser sur le gaz, on va peser sa pédale. Oh ouais, ouais, ouais. Là, on est rendu dans quel cadre là? Ah ben, tu vas tuer tout. Lui, c'est zéro en gros. Ouais, zéro, ouais. Lui avec son épée de l'enfer qui peut ouvrir les ouais. Portes. Ouvre là, César. Bah là, c'est pas Streptronel, mais tantôt tu vas voir, il va être plus stylé par contre. Troisième boss. Amagro. Non, en gros, son vrai nom c'est Gigaman, mais en fait c'est cerveau cosmique parce que c'est un boss avec un gros cerveau. Bah oui, ouais, c'est un cerveau cosmique, c'est un beau nom. Ça. Ouais, ben. Pour ouais. Un extraterrestre qui est sorti de l'enfer. Ben, en gros, faut que tu le tues, hein. Ouais, je m'en viens. Ok, t'es pas là. Je vais pas voir comme Diablo. Oh, le pouvoir que j'ai, c'est complètement fou. Mais lui, t'es-tu avec moi? Ah oui, là. D'accord. En gros, faut que tu tires dessus parce que un moment donné, il va rendre invincible, mais faut que tu tues pareil. Ok. On va le tuer, cet enfoiré. Non, faut que tu tues, c'est. Cerveau affreux. Hein. Je vais te tuer, cerveau affreux. Reviens ici. Allez. Avec ton bouclier de ouf là, je pense pas que tu nous fais vraiment mal avec ça. Aïe. Ok, le victime, moi je me rapproche de toi. T'as vu? Tu te manges des coups de poing. On va lui faire du mal. Crep, 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 crep. Oh, 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 ok, ok, ok. T'es presque mort, il est presque mort le boss. Et yeah voilà. Par contre, il nous reste des ennemis à tuer. Son cerveau. Son cerveau. Bah c'est ça. Non, le point. Le point. Ici, ça c'est son cerveau. Regarde. Ce. Bah où le point? Regarde ici là. Un peu, je vais juste prendre cette arme là, il y a la fucking C. Regarde, tu le vois pas? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, moi je sais parce que ça fait longtemps que je l'ai battu. Mais... C'est. Gluant. Aris. Ok. Bah oui, c'est normal que ça soit Glus. Ça soit. Bah merci beaucoup. Merci. Bah à toi aussi, bonne chasse. Ouais. Non. Un jour mon père m'a dit que j'étais en 12ème place pour diriger la société. Alors, ah bon? On fait 11 petites coupes si
sur notre arbre où mon rose petit coup. T'as-tu fait des coupes de cheveux? Non, ça c'est Ridge. Bah l'homme moustachu. L'homme moustachu, bah oui, bah oui. Bah tout le temps tu le vois plus là, mais ouais. C'est plus tard. T'as même un trophée à cause de lui. Ouais, ça, on a réussi, on a tué le boss en moins de 2, 3 ou 15 secondes. C'était pas pire. Ah bah c'est surtout à cause de mon œil aussi. Ah ouais, par contre, t'as pris. Parce que sur. C'est moi, mon dieu! Non, mais pour vrai, je sais pas, j'ai vu un véhicule bleu. Vas-y, mais détruis ton véhicule. C'est très bien. Mets le cerveau dans le binouchou. Bon. Mais t'inquiète pas, c'est un hologramme, on peut tirer dedans. Oui, oui, je les ai. Mais d'abord, promets-moi de nous aider à ouvrir l'arche. Ok. Lui c'est Irith. Alors, autant que je jette cette cervelle dans une poubelle, si personne s'en sert. Très bien. J'ai reconstruit la place en partant de rien. Et je suis prêt à tout pour empêcher Maliwan de me voler ça. Je jure sur l'avenir de cette société que je t'aiderai à trouver et à ouvrir cette arche. Ok. Ça ira bien comme promesse, recrue. Tu peux lui donner ce qu'il demande. Mais Lolo. C'est fou de voir Riz se tortiller comme ça. T'es un sacré numéro, toi. Riz. L'hologramme capte tout ce que tu dis. Et il a un cœur, tu sais. Voilà. Mission terminée. La sœur de l'arche, reviens sur le sanctuary. Super. On fait comme ça. Voyons comment s'appelle le fourgon hard. Ok, je vais faire un effort. Mais ça a une fin, parce qu'à un moment, tu vas mourir. Alors, essaie de faire durer... J'ai hâte vrai... de voir ma mort. Non, en vrai, celle qui te parle, c'est... voyons... Taverne... Tyrin, c'est ça. Ensuite de ce, qu'est-ce qu'on doit... on doit aller là. Allez. Ouf. Et voilà. C'est un peu moi aussi, si j'avais pas au début. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer à Borderlands 3. C'était la sixième épisode de Borderlands. Je te mets la lien de la chaîne YouTube de Leflinger. Je remercie Itou Leflinger pour ce que tu fais comme travail et montage vidéo. Je te remercie. Tu es un grand ami puis je t'apprécie beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais puis félicitations d'avoir atteint les 200 abonnés. Tu es rendu dans une autre plateforme plus élevée. Je te souhaite encore de l'avenir et encore des bons projets à venir. Et pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à écrire un petit commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je suis souvent en live sur Twitch. Régulièrement, je fais régulièrement des stories sur Instagram. Je fais régulièrement des choses sur TikTok. Peu importe l'Instagram, je serai là pour vous jouer avec vous et vous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'était Nolly Gaming. Ciao, ciao!